Salut YouTube, on se retrouve pour la vidéo annuelle Fort Boyard. Depuis 2019, je fais une vidéo sur Fort Boyard. Depuis 2019, c'est le même jeu, avec quelques différences près. Là, on est sur la version, regardez, 2022, qui est sortie cette semaine. On est sur la version Switch, il est aussi disponible sur PS4. Sur PC, le jeu a décidé de ne pas sortir. Donc je l'ai acheté dans mon Leclerc, je l'ai payé 25 €. Nous demande. Oh, on est en même temps en live sur Twitch. Et on voit que c'est les mêmes personnages. Est-ce que ça va au niveau du son? Dites-le moi sur Twitch. Alors, normalement, il y a des nouvelles épreuves. Est-ce qu'on peut voir les nouvelles épreuves? Donc, oula, mais il y en a beaucoup. Lavry, ça y était. Boyard Doodroom, ça y était. Arbalète, je crois que ça y était. Bâtonnet, je crois que ça y était pas. Restaurant de Willy, ça y était pas. Oh là, mais regardez toutes ces épreuves. Attendez, bon, on va se faire direct une aventure. En moyen. Durée de la partie courte. Je suis tout seul. Alors, putain, c'est les... ça c'est dommage, c'est les mêmes personnages. On va prendre Liv. Non, on va... on va prendre Muriel, qui a comme profession, c'est une mannequin pour les mains. Et sa passion, c'est les meuporgues. J'ai hâte de commencer. Ah oui, moi aussi j'ai hâte, Mumu. Les explorateurs indomptables, les affamés des abysses, les haricots du grenier. Les haricots du grenier, ça c'est très bien. Ça vaut le coup ce jeu finalement. On va voir. En tout cas, mon équipe est motivée. Nom d'un scarabée, les candidats arrivent. Ils pensent pouvoir s'emparer de mon trésor, mais je leur réserve une petite surprise. Chacun d'eux va être soumis à différentes épreuves. À chaque victoire, ils recevront une clé. S'ils obtiennent assez de clés, ils auront accès à la salle du trésor. Mais s'ils pensent pouvoir gagner ces clés, ils se fourrent le doigt dans l'œil. On va commencer en beauté. Ah, Lavrim, on le connaît, c'est dommage. JP qui demande sur le chat si ça existe vraiment mannequin des mains. Ouais, ouais, c'est un vrai métier. Mannequin main, mannequin pied, mannequin fesses, mannequin nez. Généralement, quand t'es mannequin main, c'est que t'as pas le physique pour être mannequin de base, tu vois. Oh non, pas cette épreuve-là! T'inquiète, ça va aller! Je le sens pas, j'aime pas cette épreuve! Pense à la clé! Ok, je vais faire de mon mieux. Allez, ma belle! Allez! Allez, Louison! Alors, éclatez la bulle de gauche, la bulle de droite, la bulle du milieu. Allez, let's go! J'espère qu'on aura des nouvelles épreuves, parce que sinon, c'est naze. Alors, en tout cas, si vous voulez plus de vidéos Fort Boyard, faut bourrer les pouces bleus, les gars! On commente, on bourre les pouces, on partage. Et c'est déjà pas mal. Allez go, tu vois la clé? Alors ça c'est le jeu de rythme. Il était pas trop mal. C'est super, continue comme ça. Trop tôt. Merde, me tromper! Vas-y, tu vas y arriver! Alors, je vois pas si j'y arrive ou pas, là, je vous avoue. Je pense, hein! Oula, oula, oula.
Ah ah. Concentré comme Jaja. Hein. Yes. Vous pouvez faire un don aussi, exactement, c'est vrai, comme le dit Flo, vous pouvez cliquer sur le magnifique bouton merci T'es et me faire un don à partir de 2€ je crois. Allez, on continue. What? J'ai cru qu'il m'avait fait un don. Passe-partout. J'ai cru qu'il était en mode vénère. Non non, il va bien. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Et je connais pas le reste. Sans traquenard, passe-partout. Fort Boyard. Pardon, j'étais ailleurs. Donc quelle épreuve poutre jet d'eau. Oh non, on la connaît aussi, c'est naze. Mais je crois que j'y arrivais pas celle-là. Alors attends, reprendre l'équilibre, s'accroupir. Bah au pire, après on ira dans le mode entraînement pour voir les épreuves que je pense être nouvelles, n'est-ce pas? Ou bien je fais une deuxième vidéo pour montrer les nouvelles épreuves. Ah. Faut être malin maintenant sur YouTube. Allez, alors. Ça va aller. Allez Mumu. C'est bon, t'as le temps. À votre avis, est-ce que je vais... Oh la vache. Je suis tombé. Une épreuve, une vidéo. Ah, peut-être pas, parce que ça va être court, mais... Bon, ben on a échoué, lamentablement. Attends, c'était fourbe les 3 jets d'eau, là. Oh, Delphine Despizer. C'est elle, non? Bonsoir et bienvenue dans la cage. Et c'est pas sa voix par contre. Mister et Lady Boo n'auront aucune compassion pour vous. Les duels seront donc impitoyables. Il ressemble pas trop non plus. Alors attends, impact, frappe la bonne cible avant ton essai plusieurs fois pour accélérer le mouvement. Droite, milieu, gauche, ok. C'est pas sa voix. Dommage, ça aurait été drôle. Ah, ils ont mis à jour MotoGP 22. Je ne possède plus le jeu. Donc je te fais confiance. Alors, concentration. Mais je suis à gauche. Super, ça en fait un. Ça, il me semble qu'il y a une nouvelle, hein. Vas-y, tu vas y arriver. Par rapport à l'année dernière. Plus vite en utilisant de l'énergie. Tu peux frapper plus vite en utilisant de l'énergie. Vas-y, plus que deux. Vous vous
en êtes plutôt bien tiré. Je ne vous retiens plus. Bon courage pour la suite. Je pense pas ça te dit un truc, mais il y avait avec des ballons. Fallait taper dans un pic et pour percer un ballon. Celle-là, franchement, je pense qu'elle est nouvelle. Après, je me trompe peut-être, ça fait longtemps. Hein. Trop cher. De quoi trop cher, Flo? Oui, il y a Willy Rovelli dans le jeu. Normalement, il est marqué sur la boîte. Tu te sens prête? Un peu stressé, mais ça devrait aller. On a confiance en toi. Trop cher pour la boîte Delphine. Je pense qu'ils lui ont même pas demandé. Hein. Excalibur. Bah, Excalibur, on connaît, les gars. Il était là dès le premier jeu. Un peu abusé, ça. Pour l'instant, un doute sur l'épreuve d'avant, mais... Mais est-ce qu'il y a des épreuves dans le jeu qu'il n'y a plus dans, dans l'émission Fort Boyard? Où toutes les épreuves sont forcément dans... sont toujours dans l'émission. C'est bon, t'as le temps. Je ne regarde pas Fort Boyard. Je regarde pas la télé. Hein. Sauf des séries nulles. Vas-y, tu vas y arriver. Oh, c'est nul, ça. Oh, c'est nul, ça. Allez, elle est pour toi, cette clé. Oh non. Allez, concentre-toi. Yes. Ouais, dommage pour les persos, ouais. Ah, est-ce qu'il y aura les tigres dans le jeu? Ils l'ont enlevé, je crois, dans la vraie vie. Dans l'émission, ils ont enlevé les tigres. Alors, Arthur peut aller se rhabiller. Joli! Allez, en route pour la suivante. Bah, j'espère qu'ils ont laissé les tigres dans le jeu, au moins. C'est des faux tigres. Ils sont forcément là de leur plein gré. Passe-partout! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ouais, c'est la troisième version du jeu. Alors, la version de l'année dernière, c'était juste une mise à jour avec un DLC qui coûtait très peu cher. Je crois que c'est ça. Hein. Il leur faudra. Et là, c'est une vraie nouvelle édition, par contre. On va leur proposer quatre épreuves. Chacune leur donnera un indice en cas de victoire. Mais s'ils échouent, ta ta ta, pas d'indice. Ta ta ta. Et sans indice, pas de trésor. Mais là, pareil, c'est pas la vraie voix du gars, parce que... On dirait un gars qui imite le père Fouras, en fait. Après, il a peut-être changé de voix, maintenant, dans l'émission. Oh non, mais Rodeo Dino, t'es sérieux? Allez, on va se faire que des épreuves qu'on connaît, je suis déçu. Comment tu le sens? Ça va. Oh, frapper une sphère. Oh, normalement, ça devrait aller. Rodeo Dino, on le connaît, il est là depuis la première version du jeu. Et n'empêche, ça doit être dur à faire dans la vraie vie, ça, je pense. Moi qui ai pas l'équilibre, les gars, deux bouches qui me cassent la gueule. Hein? Pardon? Bah alors, Mumu! Allez, il est pour toi cet indice. Allez, plus qu'une et c'est bon. Bon, on a quand même fait une chute, c'est honteux.
chargement un petit peu long. Allez, on continue. Un peu dommage. Ils cavalaient les mecs là. Bah, j'aime bien, c'est les épreuves contre les, je sais plus comment ils s'appellent là, les types à tête de tigre là. Tu te sens prête? Un peu stressée, mais ça devrait aller. Ah, mais oui, ça va. C'est quoi celle-là? On a confiance en toi, tu vas la voir. Allez, j'y vais. Ah, elle est sur. Ah putain, alors on la connaît, mais elle est super dure. Charger la puissance. Charger la puissance, puis lancer l'obus. Alors je crois que celle-là, je vais pas y arriver. Il me semble que je galérerai. Voilà le conseil. Que ce soit dans l'émission ou dans le jeu, c'est mes épreuves préférées. Et des fois, tu vois quand ils trichent, quoi. Ah non, mais ça, je bite rien, ça. Vas-y, tu vas y arriver. Je ne comprends pas. Allez, il est pour toi cet indice. Oh, oh oui, oh oui. Oh oui. J'en tiens. Il est comment? Un champion du monde. Alors n'allez pas me demander comment j'ai fait parce que j'ai l'impression que ça n'a même pas touché le truc, mais... Yes. Allez, go, la prochaine nous attend. Ils auraient pu faire un effort, je sais pas, mais mettre Olivier Mine dans le jeu, quoi, ça aurait été trop drôle. Ils ont réussi cette épreuve avec brio. Ils sont doués, ces petits. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ouais, Mitro. Allez hop, on continue. Ils vont avoir du fil. Ah, Grand Boyer Hotel, on connaît ça aussi. Oh la vache, je suis déçu. Mon aventure, il n'y a pas de nouvelles épreuves. Pas une, enfin, une moitié d'une, on va dire, parce que j'ai un doute sur celle qu'on a eue. Fallait taper, mais... Pas grave, après on ira en entraînement. Tu sens prête? Un peu stressée, mais dans une ça autre vidéo. Aller. On a confiance en toi, tu vas la voir. Allez, j'y vais. Courage, ma belle. Attraper main gauche, attraper main droite. Lancer une valise. Sauter, se baisser. Alors attends, lancer valise, Y. J'ai l'impression que les boutons ne vont pas l'un avec l'autre. Sauter, ok, se pencher. Ah, ça c'est immonde. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave, relève-toi. Baisse-toi, wesh. Mais... Ah, je me trompais de bouton. My bad. Ah, attends. Se baisser, c'est ça, et sauter, c'est ça, ok. Évite le tourniquet en sautant ou t'abaissant. Bleu. Attention. Allez, il est pour toi cet indice. Fais gaffe au temps, ça passe vite. Merci, Jonathan. Oh putain, je me fais déglinguer. Il faut en mettre 6. Attendez, c'est hard. Comment il m'a hurlé dessus? Reviens vite. Non, non, il y a moyen. Non, il n'y avait pas moyen. Vous avez vu comme il m'a hurlé dessus l'autre? Allez. On aurait dit Jean-Jacques qui sortait du bar. Bon, mais c'est quoi? C'est prison là, non? Oh, la déception dans le regard de ma team. Ils sont à deux doigts de m'abandonner. Ils se disent Muriel, mannequin pour les mains. Ça fait pas l'affaire dans Fort Boyard. C'est décevant. Certains candidats croupissent dans les geôles du fort.
Ah, t'es content, c'est vieux débris. L'heure de la grande évasion. Les prisonniers vont tenter de s'échapper de leur prison. La grande évasion. Avec Steve McQueen. Ils perdront du temps en salle du trésor. Film absolument génial. Musique absolument géniale. Je me fais très mal, mais dans ma tête, ça résonnait mieux. Allez écouter la musique de la grande évasion. Vous allez vous dire, ah oui, c'est par là. D'ailleurs, hier, à la télé, il y avait un chef-d'œuvre. J'espère que vous l'avez regardé. Bon, allez, les gars, on se concentre. On va essayer de sortir de ces geôles. Alors, attends. Gauche, deuxième à droite, première à droite. Attends. Gauche, droite. Attends. Gauche. Attends, gauche. Deuxième droite. Non, attends, mais je suis un débile ou comment ça marche? Attends, gauche. Attendez, mais je suis... Eh les gars, je me suis... Eh, mon cerveau, il s'est embrouillé tout seul. Alors, attendez. Donc, gauche, deuxième droite. Droite, gauche, droite, droite. Gauche, droite, droite. Oh putain, attendez! C'est énorme, comment je peux être aussi teubé? Gauche, deuxième droite, droite, gauche, droite, droite. Ok, ok, c'est bon. Ça y est, je suis perdu. C'est pas là. Hein. Si c'est bon. Oh là 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 là. Ok, easy money, easy life. Appuie sur les dalles dans l'ordre. Tu me donnes pas d'ordre? Intelligence d'un creeper. Eh oui. Ah je sais, ça peut surprendre. Hein. Bon, c'est la même épreuve que l'année dernière en fait. Un peu dommage. Bah évidemment, ce jeu, ça se joue pas tout seul à la base. C'est, hein. C'est plus drôle avec des amis. Conseil. J'ai hâte de commencer. Mais bon, j'ai regardé sur Amazon, il y en a plus. Vous tentez de gagner du temps supplémentaire pour la salle du trésor. J'espère que les maîtres du temps sont en forme. Et pareil, il y a Leclerc, il y en avait pas. Alors, lorsque c'est ton tour, choisis la bonne forme pour ne pas atteindre la zone limite. Fais tourner la pièce, valider, lâche une pièce. Ok, alors ça, je... Ouais, je crois qu'elle y était. Sois le plus malin, voici votre afin duel. De ne pas dépasser la zone rouge. Alors... Top. Moi, je pense que je vais déjà mettre cette grosse pièce-là. Ah oui, si, ça y était. Voilà. Là, c'est bien mis, là. Mais il balance ça n'importe comment, le gars. Il faut être malin. Pas très précis. Hein. Voilà. Je ne voulais absolument pas faire ça. Hein.
Il fait n'importe quoi, le mec. Intéressant. Mais non, pas intéressant. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la stratégie? Si oui... Les autres seraient fiers de moi. Le maître a commis une erreur. Mais wesh... Flo, c'est toi qui as participé au développement du jeu? Tu nous avais caché ça? Enlève le masque de tigre, là. L'aventure touche à sa fin, mais il reste une dernière épreuve. L'énigme du fort. L'énigme du fort. Grâce aux indices récoltés, les candidats vont devoir tenter de trouver la solution de l'énigme. Ils alors, vous m'aidez là, hein, sur le chat. Ils peuvent sacrifier du temps en salle du trésor pour obtenir des indices supplémentaires. Voyons s'ils vont trouver la solution. Ouais, voyons ça. Alors, salle du trésor. Mais oui, vous êtes chaud. Il fait chaud. Alors, trouve la solution de l'énigme. Allez, go, tu vois la clé? Tarte, poire. C'est tout? Attends, quoi? Tarte, poire? Eve, pomme, cerise, gâteau. Oui, gâteau. Non? Attendez! Attendez, c'était... Attends! Mais non, mais attends! Qui c'est ça? Elindra, tête de tigre! Vas-y, plus que deux! Ah donc, ah, c'est pomme. Je savais que c'était pas gâteau! Le boulet. Elindra, tête de tigre! Mais laissez-moi une... Oh là, la caméra. Vous m'avez pas beaucoup aidé sur le chat, hein. Vous êtes nul. Vous devriez me faire un don pour s'excuser. Et pour l'association aussi. Faites un don pour l'association, les gars. T'as été perturbé? Ah. Non mais Flo, tu es perturbé de la vie, toi. C'est pas pareil. Oups. Mais casse-toi! Mais il est mis! Oh, mais vous avez vu, c'est honteux! Tout ça, c'est que je suis une femme. Je dois vivre aux États-Unis. Vous avez vu, c'était Cyril Ferraud, là, comme il m'a empêché de prendre les boyards. Enfoiré. Alors, combien on a gagné? Pas grand-chose. Hein. Oh, quand même! Alors, on n'applaudit pas? Les haricots du grenier. Bravo. Ouais, j'aurais pu mieux faire quand même. Ils sont donc parvenus à résoudre l'énigme du fort. Ma foi, je dois m'avouer vaincu. Ces candidats étaient vraiment doués. Il faudra que je rendre toutes ces épreuves plus difficiles. Mes félicitations, vous avez bien mérité ces boyards. Ouais, fais un petit compte-ron, monsieur. T'arrondis à 10 000. Ben voilà, YouTube, on a fini. Deuxième vidéo qui arrive pour les nouvelles épreuves.